tant que chirurgien, on est fier et content de travailler dans cette clinique parce qu'on a le plateau technique que l'on désire, on a la réanimation, les soins intensifs qui vont avec. Là, en fait, c'est la dernière IRM avec toutes les technologies d'aujourd'hui. C'est une machine qui peut faire tout le corps. Ensuite, on est obligé d'adapter des nouveaux logiciels pour chaque partie du corps. Celle-là a la particularité de faire les IRM, par exemple, mammaire et cardiaque. Ici à Casablanca sur un projet très particulier qui est celui d'une clinique qui me permet d'avoir un plateau technique hors du commun, équivalent à ce qui se fait de mieux actuellement en Europe et voire mieux que ce que j'ai actuellement en France. Le Maroc est en train de devenir une vraie plateforme médicale pour laquelle nous comptons avec la clinique Gerada être un exemple pour le Maroc. La clinique Gerada propose une offre de soins dédiée à la patientèle africaine. À ce titre, elle a conclu un accord exclusif avec SAMA, Société Africaine Médicale Assistance, qui a pour vocation la gestion des évacuations sanitaires et le développement de partenariats avec des institutions privées et publiques dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Notre objectif est d'accueillir un maximum de patients africains dans des conditions de confort et de soins optimales. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Quelques semaines, j'ai fait une attaque, des crises. Alors j'ai décidé de venir ici à Gerada l'Oasis. Je me suis fait opérer ce matin et là ça va très bien. À la clinique Gerada Oasis, nous sommes dans une démarche d'amélioration continue de la prise en charge des malades avec le développement des différentes techniques nouvelles de médecine et de la recherche scientifique. Dans ce service de réanimation polyvalente, nous avons 12 boxes de réa et chaque box est dotée de tous les moyens de surveillance et de monitorage, y compris le monitorage invasif. Et cette unité de surveillance centralisée nous permet la surveillance continue de tous les paramètres vitaux du patient. C'est une clinique multidisciplinaire où on peut travailler en équipe. Il y a des professeurs de haut niveau. Et qui dispose bien entendu d'un plateau technique assez exceptionnel dans la mesure où dans notre métier qui est l'endoscopie interventionnelle, nous avons besoin d'une technologie de pointe pour être à même de pouvoir proposer le meilleur soin thérapeutique dans certaines pathologies bien spécifiques de la gastro-entérologie. Comme tout médecin, je veux donner le meilleur à mes patients. Je pense qu'à la clinique Gerada, on a la possibilité d'offrir à nos patients des soins de qualité. On a une équipe de réanimateurs de très haut niveau. On a une très bonne équipe de cathétériseurs et de chirurgiens cardiovasculaires. Et dans ma spécialité, ça fait partie des atouts qu'une grande clinique doit avoir. Ce qu'on recherche, comme tout médecin, comme tous mes confrères, c'est d'abord la sécurité du patient, et on l'a. C'est deuxièmement la recherche d'un plateau technique performant pour pouvoir donner le mieux aux malades, et c'est ce qu'on a. Et troisièmement, c'est une prise en charge optimale, à la fois sur le côté médical, mais aussi sur le côté pécunier
et la clinique Jarada fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Donc cette clinique apporte toute la sécurité depuis la rentrée du patient jusqu'à sa sortie, et ça c'est très important. Ce qui fait la réputation de notre clinique, c'est surtout le dévouement du personnel infirmier, le rapport humain et la disponibilité du matériel. On a fixé comme objectif principal, c'est mettre à la disposition de toutes ces populations, de tous ces patients-là, un plateau technique hyper performant. Je m'engage solennellement de continuer à ne ménager aucun effort pour tirer la médecine privée vers le haut, aussi bien casablancaise que marocaine, que internationale, et en essayant de mettre à la disposition de nos populations une médecine de très haute qualité.